nourrissez votre créativité. Ben voilà. Alors moi, s'il y a quelques mois, on m'avait dit que je me lancerais dans les attrape-rêves, j'aurais pris les gens pour des... parce que je sais absolument pas comment ça se fait. Alors ça, c'est mon chef-d'œuvre que je viens de faire, là, que je viens de terminer il y a quelques minutes. Et j'en suis relativement fière parce qu'il n'est pas si mal que ça, au final, pour un premier exploit. Alors, donnez libre cours à votre créativité. Vous avez vu, hein? Il est là, derrière. Parce qu'il est... Voilà, il est là. Bah voilà, alors le confinement, bah, ça n'a pas du mauvais au final. Hein. Bah, je suis désolée d'avoir les cheveux en bataille, mais quand le temps est humide, voilà le résultat. Hein. C'est... Voilà, c'est top. Quoi. Bon. Donc, j'avais pas spécialement prévu de vous faire une vidéo. Bon, je vais un peu m'asseoir parce que, au final, j'ai été debout toute l'après-midi, donc je suis un peu sur les genoux là. Donc, je vais m'asseoir un petit peu. Voilà. Donc, j'avais pas spécialement prévu de faire une vidéo aujourd'hui, et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'on m'a posé une question. On m'a dit, c'est bien, on voudrait que ça change, mais par où il faut commencer? Alors, on commence par tout et n'importe quoi. En fait, tout ce qui est bon pour la planète, c'est déjà une avance. C'est-à-dire que le moindre geste que vous faites avec le cœur, avec l'amour, bonheur et qui vous met le cœur en joie est une bonne chose. Déjà là, je suis en train, je vous mettrai le lien en tout parce que c'est vraiment vraiment génial. Je suis en train de voir comment on peut faire l'école à la maison, quelles sont les astuces pour pouvoir faire l'école à la maison, parce que ça me travaille depuis un moment. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que ça me travaille depuis un moment. Donc il y a ça. Il y a aussi comme je vous l'avais dit, faire arrêter de nourrir les grandes surfaces. Donc aller le plus possible vers les petits commerçants, les petits épiciers, se rapprocher de chez vous. Si vous avez possibilité de faire quelques jardinages chez vous, c'est aussi bien. Sinon, les petits épiciers du coin, c'est très bien aussi. Il y a le fait, bien sûr, de refuser, mais alors, moi, personnellement, je vous conseille de refuser la vaccination qui est pas loin d'être... d'être imposé là, parce que c'est ce qu'on nous prépare hein, avec ce virus, parce que je pense que à partir du 11 mai, vu qu'ils vont ouvrir l'école, si deuxième vague il doit y avoir, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y aura la deuxième vague, et par le fait, on va obliger tout le monde à se faire vacciner. Il y a aussi un modèle de lettres qu'on peut faire pour éviter, voire limiter la vaccination pour ceux qui ne veulent pas. De toute façon, ceux qui regardent ma chaîne, ils savent de quel côté je suis. Donc, je vous dirais qu'il y a aussi la possibilité donc, de refuser tout ce qui est vaccination, surtout celle du Covid. Là, c'est loin d'être la meilleure qu'on ait reçue depuis longtemps. Donc voilà, il y a ça, il y a plein de petites choses en fait, plein de petites choses à faire et surtout ne pas adhérer. En fait, le système, on ne peut pas en sortir complètement vu qu'on est en 3D, on ne peut pas en sortir complètement. Le but, c'est de prendre ce qui nous convient et de laisser le reste. Ne pas dire oui à tout, savoir dire non, là, non. Mais quand vous dites non, dites-le avec diplomatie et avec diplomatie quoi. Et ne pas envoyer balader la personne en face.
vous, ce qu'elle pense, ça vous regarde, ça vous concerne pas, c'est pas important ce qu'elle pense, hein, c'est ce qui compte, c'est vous, c'est votre bien-être à vous, hein. Donc j'espère que pour le 11 mai, beaucoup auront réfléchi, beaucoup auront fait de leur mieux pour essayer de trouver une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de s'adapter. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ça m'étonnerait fortement qu'après le 11 mai, ça revienne comme avant. Ça m'étonnerait fortement parce que les gens, beaucoup de personnes ouvrent les yeux, beaucoup de personnes en ont ras-le-bol, sauf que beaucoup de personnes ne savent pas comment faire pour sortir de ce bourbier là. Et je pense que déjà il faut avoir l'intention dans le cœur, avoir vraiment envie d'en sortir et ne pas se dire j'ai envie d'en sortir mais je connais pas la raison, sur internet tout est écrit, hein, comment sortir du système, c'est écrit, mais après faut le faire point par point. Vous pouvez pas tout faire d'un coup, c'est impossible, mais le faire petit à petit. Ceux qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus de système trouveront le moyen de s'en éloigner le plus possible, ou alors tout simplement de prendre ce qui est bon pour eux et de laisser le reste, parce que dans le système, il faut quand même être le système a fait des bonnes choses, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Le système a fait des bonnes choses, le problème c'est qu'il les retourne contre nous, et c'est là que le bât blesse, si j'ai envie de dire. Donc prendre ce qui est bon pour nous au final, et puis laisser tomber le reste, la médecine, laisser tomber le plus possible tout ce qui est médicaments, vous référez davantage aux plantes, à tout ce qui est les huiles essentielles. Moi j'ai passé l'hiver à faire des vapeaux, vous savez, mettre de l'huile essentielle dans de l'eau, je trouve pas mes mots là, je suis fatiguée, mettre l'huile essentielle dans de l'eau et puis mettre une petite bougie en dessous, et voilà, respirer tout ça, ça va aider à diminuer. Faire des jeûnes aussi, faire des jeûnes de façon à ce que votre corps soit plus apte à être moins intoxiqué, et puis une fois que vous avez fait le jeûne, ne pas recommencer à manger de n'importe quoi, à manger des choses saines, des choses vivantes, légumes, fruits, etc. Moi personnellement, plus ça va et moins j'ai envie de manger, voilà. Alors mon estomac, lui, des fois il me dit j'ai faim, d'accord, mais en fait c'est pas faim, c'est pas la faim, c'est une habitude. C'est une habitude, c'est pas vraiment de la faim, parce que quand je mange, je m'arrête au bout de la deuxième bouchée, j'ai plus faim. Donc c'est pas de la faim, c'est une habitude, voilà, il était l'heure, donc il est l'heure de manger, mon estomac s'est régulé comme ça, à moi de faire le contraire, quoi. De pas écouter mon estomac, mais d'écouter mon corps. Si mon corps me dit j'ai faim, ok, on va manger, mais bon, si au bout de deux bouchées vous avez plus faim, c'est que c'est pas de la faim. C'est juste une habitude, voilà, une habitude, il faut manger, quoi. Par contre, j'ai très soif, je bois beaucoup, alors je ne sais pas pour vous, mais alors je bois beaucoup, j'ai très soif tout le temps, même pendant la nuit, j'ai très très soif, donc je donne à boire à mon corps. Et je sais pas, il y a plein de petites choses en fait qu'on peut faire comme ça pour aider déjà le corps à se nettoyer. Vous avez aussi, c'est ma pharmacienne qui m'a mis sur le coup en fait. Vous avez les laboratoires Activia qui vous donnent des compléments alimentaires, mais alors c'est génial parce que j'ai pris ça, ça fait maintenant quelques mois que je prends ça et je me sens très bien. Vous avez des compléments alimentaires de toutes sortes, je vous mettrai le lien en dessous aussi. Vous avez des complémentaires pour tout, immunité, pour les intestins, pour leur redonner la flore intestinale dont ils ont besoin pour se défendre justement contre tous les virus, bactéries, microbes et tout et quanti. Revenir le plus possible à la nature. Si vous revenez le plus possible à la nature,
vous quitterez, bah forcément, si vous revenez de plus en plus possible à la nature, forcément, vous allez petit à petit quitter le système, ce qui est normal, ce qui est logique, et c'est le but en fait. Le but, c'est que ça tombe, bon, et que nous, on ne tombe pas avec, hein, c'est ça le but. Après, c'est vrai que c'est pas facile, vous allez avoir des hauts et des bas, hein. Même moi en ce moment, j'ai des hauts et des bas. Il y a des moments où ça va aller très bien, je me sens super heureuse, et même sous la pluie, là, c'est le bonheur à l'intérieur, c'est la joie de vivre, c'est tout. Et il y a des moments où je vais être fatiguée, j'ai envie de rien faire, allez, je m'allonge et je bouge plus. Et c'est tout à fait normal, c'est les énergies. On a des grosses énergies qui arrivent. Donc, à contrario, ou plutôt, ça nous fiche par terre, mais à contrario, les énergies font sortir la vérité. Donc, l'un dans l'autre, je trouve que c'est plutôt positif, même si on doit pendant plusieurs jours rester. Allonger, rien faire. Votre corps se nettoie, c'est parce que vous avez besoin. Votre corps se nettoie aussi par l'intermédiaire des rêves, même si vous ne vous en souvenez pas, c'est pas grave. Si vous avez un rêve qui vous perturbe, vous levez le matin et vous avez dit j'ai fait un rêve, ça m'a perturbé, je ne comprends pas. C'est pas grave, c'est juste le nettoyage de vos anciens. Si vous n'arrivez pas à vous nettoyer en conscience, les rêves vont vous aider à vous nettoyer pendant que vous dormez, tout simplement. Et vous verrez que si vous vous souvenez du rêve, moi je vous conseille quelque chose, et ça marche très bien. Plutôt que, avant je ne le faisais pas, alors plutôt que le rêve vous poursuive toute la journée et vous mette sans dessus dessous parce que vous ne comprenez pas ce rêve, écrivez-le. Simplement, écrivez-le, vous écrivez, voilà. Cette nuit, j'ai rêvé de ça, ça, ça et ça. Ça m'a fait ressortir ça et ça et ça comme émotion. Je comprends pas, je verrai bien à la suite comment ça va se passer. Et à partir de là, votre rêve ne vous embêtera plus. Parce qu'avant, je ne le faisais pas. Donc le rêve des fois que je faisais me perturbait toute la journée, voire 2-3 jours d'affilée. Je ne comprenais pas pourquoi. Depuis que je l'écris, mon rêve... Une fois, j'ai à peine fini d'écrire le rêve que déjà il ne me perturbe plus, j'y pense plus, c'est terminé, nettoyé, fini, on passe à autre chose. Voilà, ça c'est... En fait, il y a tellement de petites astuces, de petites choses. Alors ça va vous paraître idiot, mais bon, de ma part, je pense que ça va être logique. Quelque chose qui marche très bien aussi, c'est la prière. Alors je ne vous dis pas que c'est la prière... qu'on vous apprend au caté ou un truc comme ça. Non, c'est celle qui vient du cœur, c'est celle qui marche le mieux. Vous vous mettez en condition, et vous faites votre prière, vous remerciez, vous demandez, et ça vous sera octroyé. Je peux vous assurer que ça vous sera octroyé. Il y a quelque temps de ça avant que... Quand 3-4 jours là, j'ai eu un bombardement d'énergie très puissante, et pendant deux jours, la tête complètement vaseuse. J'avais le soir vers 17h, 18h, un saignement de nez très 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 intense. Et on m'a conseillé en priant de demander à me faire protéger, ce que j'ai fait. Depuis, j'ai plus mal à la tête et le nez ne saigne plus. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un problème de santé, parce que j'ai fait faire des prises de sang, j'ai fait faire tout ce qu'il fallait, tout va bien, donc ce n'est vraiment pas un problème de santé. C'est vraiment c'est pas un problème, hein, c'est juste les énergies qui arrivent, qui sont là, et qui sont là pour nous faire évoluer, qui sont là pour nous faire avancer, pour nous faire monter, en vibration. Et forcément, si le corps n'est pas prêt, il n'est pas adapté à recevoir tout cet amas d'énergie, forcément, ça va être un petit peu compliqué. Donc, priez, demandez tout simplement, en remerciant, bien sûr, demandez à ce qu'on vous aide. Voilà, vous voulez avancer, mais demandez à ce qu'on vous aide. L'univers, Dieu, tout le monde est là pour vous aider, mais il faut demander, quoi, hein, parce que si vous ne demandez pas, c'est que vous n'avez pas envie. Si vous n'avez pas envie, on ne va pas vous forcer. Vous avez votre libre arbitre, donc on ne va pas vous forcer. Hein. Donc, demandez. N'hésitez pas à demander. C'est une très bonne chose. Voilà.
Donc, si vous regardez un petit peu en ce moment sur Internet, il y a pas mal de choses qui sortent, pas mal de vérités, même si beaucoup de personnes disent encore c'est des fake news, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. C'est peut-être des fake news, mais ça se passe. Et comme dirait, j'aime bien reprendre les affirmations de mes parents, des amis dans le temps. À 54 ans, on n'est pas bien vieux, mais bon, on n'est plus très, on n'a plus 20 ans, quoi. Voilà. Et donc, les anciens qu'on fréquentait avant, moi, ils me disaient tout le temps, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si on vous annonce quelque chose, oh bon, hormis tout ce qui est télévision, journaux, papier, etc., mais sur Internet, bien sûr, il y a beaucoup de fake news, c'est un fait. Mais bon, vous regardez un truc, vous regardez une information, ça vous annonce quelque chose. C'est n'importe quoi. Vous en regardez deux qui viennent des sites différents, mais qui vous disent la même chose. Là, vous vous interpellez. Après, quand vous avez 100 ou 200 personnes qui disent, ouais, mais moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, puis j'ai vu ça, puis j'ai vu ça, j'ai vu ça, et que tout se regroupe, là on se pose la question à se demander, oh, mais peut-être qu'il faudrait que j'aille voir, hein, parce que peut-être que c'est pas des fake news et que c'est la vérité. Bon, moi je réagis comme ça au final. Comme je suis ouverte à tous les possibles, on m'envoie des infos. Alors, beaucoup, et je vous remercie infiniment. On m'envoie beaucoup d'infos super intéressantes, mais que je connais déjà et que j'ai déjà posté sur ma page. Donc, merci beaucoup, mais bon, ça vous donne du travail pour rien. Mais il y en a d'autres que je ne sais pas, je vais voir. Et oui, effectivement, ça s'avère être du lourd, hein. Et en ce moment, il y a beaucoup de lourd. Quelque chose que j'ai appris, je ne savais pas, et ça m'a épaté aussi, c'est que mardi 14, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas, j'en sais rien. Mardi 14, dans la journée, hein, pas vous dire à quelle heure exactement, hein, mais dans la journée, on a atteint les 7 milliards 777 millions 777 777 êtres humains sur Terre. Voilà, mardi on était le 14, 14, 7 plus 7. Voilà. Donc cette belle rangée de 10, 7, non, pas 17, hein, mais cette belle rangée de 7, plus le mardi 14, je trouve que ça fait beaucoup de 7, hein. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que ça fait beaucoup de 7. Donc je pense que c'est encore un message pour vous dire qu'effectivement, les choses vont aller dans le bon sens. Il suffit de garder espoir, confiance, de faire ce qu'il faut. Nous aussi, faire ce qu'il faut, parce que c'est bien, l'univers nous dit que voilà, mais quand même, faut quand même qu'on continue, nous, à agir de notre côté, à continuer à faire notre nettoyage, à continuer à faire ce qu'on a à faire pour nous, à nous faire plaisir. Vous voyez, la trappe-rêve, c'est vraiment comme ça, et encore c'est le premier, j'ai l'intention d'en faire d'autres, hein, mais mieux, un peu mieux. Là, c'était vraiment du allez, j'en fais un. Donc, au départ, c'était pour mon fils, et puis mon fils il m'a dit non, mais moi, tout compte fait, j'ai envie d'aller jouer ailleurs. Donc, je me le suis tapé toute seule, quoi, finalement. Et puis je me dis, c'est pas plus mal, parce que comme ça, j'apprends à les faire, et puis quand on le fera ensemble, il sera encore plus joli, et tu seras encore plus fière, et voilà. Donc, voilà, petite vidéo, juste pour vous dire que ce confinement, il a du bon. Moi, ce qui me dérange dans ce confinement, c'est pas le confinement par lui-même qui me dérange, hein, c'est l'interdit qu'il y a derrière qui me dérange. C'est vraiment l'interdit qu'il y a derrière. Parce que le confinement, il me dérange pas. C'est l'interdit. L'interdit. Être interdit. Être interdit. Être interdit. Et ça, je ne supporte pas les interdictions. C'est plus fort que moi. Je n'aime pas les lois. Je n'aime pas les interdictions. Je n'aime pas qu'on m'empêche. Je n'aime pas qu'on m'empêche de faire quelque chose. Et j'aime pas qu'on m'oblige à le faire. J'aime bien pouvoir décider de moi-même. Hein. 54 ans, j'estime que je suis assez grande, que je suis assez mûre pour savoir ce que je veux. Et qu'un petit monarque qui est plus jeune que moi vienne me dire ce que j'ai à faire, alors que c'est du n'importe quoi, il prend tout à contresens. De toute façon, c'est fait exprès. C'est fait exprès.
Il y a deux solutions, hein. Soit c'est fait exprès pour nous perdre, pour nous faire perdre la raison, hein, parce qu'il y en a, ça, avec beaucoup ça marche très bien, hein, ils savent plus où ils en sont, c'est le brouillard complet. Et soit c'est fait pour donc exprès, donc pour nous amener là où il veut qu'on aille, en prévision de sa réélection de dans 2 ans. Soit alors lui aussi est complètement à l'ouest, complètement perdu, complètement et qui ne sait plus vous donner de la tête et que bah, ma foi c'est comme ça. Et quand je vois comment il agit, bah, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la première solution, c'est-à-dire qu'il nous prend vraiment pour des ânes battés. Ouais. Sauf que dans le lot des ânes battés, il y a quand même des brebis galeuses. Ouais, voilà. Donc je sais pas, moi je suis une brebis galeuse, je suis pas un âne batté, hein. Je me prends la tête régulièrement depuis le confinement, bah, déjà avant, hein. Mais depuis le confinement encore plus, parce que avec mon Zorro, nous avons les mêmes points de vue, mais nous les abordons d'une façon différente. Le but c'est que moi je veux faire des pas en avant. Hein, même si c'est juste une goutte d'eau dans l'océan, c'est pas grave. Je veux faire des pas en avant et que lui se dit de toute façon, je vois pas quoi faire. Moi aussi, je veux quitter, mais je connais les êtres humains, je connais la mentalité et je sais que après le confinement, tout va reprendre comme avant. Alors, les amis. Les paris sont lancés. Qui de nous deux va avoir raison? Alors, c'est même pas une histoire de raison ou pas raison. On a raison tous les deux ou on a tort tous les deux. C'est même pas ça. C'est qu'on a une façon tout à fait différente d'aborder cette histoire de système. Que lui aussi, il est tout à fait d'accord sur le principe de quitter le système. Mais il veut du concret. Comment faire? Comment faire? Et pour lui, il faudrait que ça soit un changement radical. Du petit à petit, il voit par le petit à petit, peu de choses, semer des graines, etc. Donc lui, il agit plutôt au quotidien, c'est-à-dire que s'il peut aider Pierre, il va aider Pierre, s'il peut aider Paul, il va aider Paul, s'il peut aider Jacques, il va aider Jacques. Voilà, sans pour autant se dire, voilà, lui, ça part du cœur et. Du coup, ça fait aussi un être lumineux parce qu'il a un très grand cœur et il aime beaucoup aider les gens et il est toujours prêt à dire oui. D'ailleurs, de temps en temps, il faudrait qu'il dise non aussi, qu'il apprenne à dire non, mais il sait pas dire non. Il sait pas dire non, c'est autre. Quoique là, il commence un petit peu à dire non parce que comme il a été. Relativement malade et ça n'a rien à voir avec le virus, hein, je vous rassure. Il a été relativement malade, il a subi une opération importante, donc maintenant il commence à réaliser que la santé avant tout. Hein. Donc c'est un début, hein, on va dire, c'est un début. Hein. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est juste comme ça. Il n'y a pas de jugement non plus. Ça ne joue aucunement sur les sentiments, c'est juste que. On a deux façons différentes d'appréhender les choses. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et donc, je voulais vous faire partager, comme d'habitude, ma vie pendant le confinement. Voilà. Donc, je me fais plaisir, je me repose. J'inculque des valeurs sûrement plus importantes, moi et mon Zorro, hein. On inculque des valeurs sûrement plus importantes à notre fils que celles qu'il pouvait avoir à l'école. Donc, je suis relativement contente du résultat. Et voilà, comme je vous dis, je suis en train de faire vraiment tout ce qu'il faut, prendre toutes les informations. Je me suis inscrite sur des sites et tout pour avoir toutes les informations possibles et imaginables, aussi bien au niveau d'école qu'au niveau administratif, qu'au niveau des lois, etc., pour éventuellement ne pas remettre mon fils en septembre à l'école. Mais comme rien n'est écrit sur la pierre et que
Premièrement, rien n'est écrit sur la pierre. Deuxièmement, personne ne peut prévoir ce que sera le jour de demain. Et que troisièmement, on est des êtres créateurs et que l'on fait vivre ce que qu'on a envie de voir vivre. Je garde la foi sur le fait que peut-être bien que ma volonté sera faite. Voilà. Eh bien, sur ce, bon après-midi. J'espère que vous avez du soleil. Moi, c'est pas le cas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais c'est pas grave. On avait besoin d'eau, c'est bien. C'est bien la pluie aussi, ça fait du bien. Donc, il n'y a pas de souci. C'est merveilleux. Voilà, bon après-midi à tous. Et prenez soin de vous, hein, surtout. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Pardonnez, aimez, donnez, que vous dire. Soyez dans l'amour et choisissez votre camp.